Bonjour à toutes et à tous, c'est Super NES et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. En effet, la saison passée des statues était terminée et les premiers arrivages ont commencé. Puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing d'une statue de la licence que vous avez vue probablement sur la miniature, à savoir IQ, puisqu'on va unboxer une statue de Hinata. Et on y va sans plus attendre. Ça commence maintenant. Alors, très important, je pense que cette boîte a été ouverte par UPS avant qu'elle arrive chez moi. Pourquoi je dis ça? Parce que bah déjà, je vois ici sur le côté, c'est ouvert. Donc, cette partie-là, je la fais vraiment pour les gens du site internet sur quoi j'ai commandé. Vous savez déjà. Et en plus, ils ont rajouté un autocollant par-dessus avec écrit l'artisan.com ou je sais pas quoi. Ça m'étonnerait qu'en Chine, ils aient un site qui s'appelle comme ça. Donc ça, c'est flag que c'était un scotch qu'ils avaient sur place, qu'ils ont mis lorsqu'ils ont vérifié ce qu'il y avait dans la boîte. Alors que pour moi, je pense qu'il n'y a pas à vérifier à quoi dans la boîte puisque la douane est déjà passée. Mais bon, comme ça, vous voyez les aléas du PS. Ça a été découpé, hein, vous le voyez. J'espère qu'ils ont rien fait de plus. Voilà, comme ça, vous voyez ce que ça donne au niveau de la boîte puisque c'est bien Hinata. Pour ceux qui ne connaissent pas IQ, il s'agit d'un manga anime de volleyball. Je vous dis tout de suite, j'aurais jamais cru regarder un jour dans ma vie un anime de volleyball, mais vous connaissez les Japonais, ils sont super forts pour te donner envie de regarder un truc qui, à la base, ne t'intéresse absolument pas. Et puis, bah, c'est une tuerie, hein. Donc, la première statue de IQ est arrivée. J'espère que je n'ai pas de casse. On sort les petits objets. Ici, on a le numéro 10, Shoyo Hinata. On a la base que je trouve magnifique avec le logo IQ. Pour l'instant, ça, il n'a pas l'air d'y avoir eu de la casse. En plus, on a on a des plumes de corbeau un peu partout, donc je trouve ça vraiment cool. Comme vous savez, Karasuno, le signe, le logo, c'est le corbeau, donc je le mettrai à côté d'Itachi. On va sortir Hinata. Voilà, une pose extrêmement dynamique que j'aime beaucoup. C'est ce qui m'a fait prendre la figurine, la statue. Statuette en résine. Vous inquiétez pas, vous verrez tout ça de plus près tout à l'heure. En petit cadeau, on a le petit Hinata sous forme d'oiseau qu'on voit souvent dans l'anime, qui remplace un peu tous les personnages et donc chaque personnage a sa petite tête comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. C'est cool comme petit cadeau. Petit et kawaii. Le voici. Ici, ils ont donné de la pâte à fixe comme d'hab au cas où il y a un truc à fixer, on sait jamais. Une plume de corbeau. Et pour finir, on a les deux points d'exclamation de IQ, puisqu'en effet, le titre IQ, donc le nom du manga, a à la fin deux points d'exclamation. Voilà, ils sont là. Je vais les rajouter avec le reste. Et je vois que là-bas, il reste encore une petite chose. Et c'est encore une plume de corbeau qu'on placera quelque part. On va voir ça tout de suite. J'aime bien quand il n'y a pas trop de choses à déballer, contrairement à la Unohana qui est derrière, qui m'a pris beaucoup de temps. Je mets ça sur le côté. On va voir tout de suite comment on doit s'y prendre. Ça, c'est là-dessous. Boum, ça se clipse. Parfait. Ça, c'est derrière. Boum, ça se clipse. C'est good. Ça, c'est ici. Ça se clipse. Il reste deux plumes qu'on va devoir placer quelque part. J'avais vu des petits trous là tout à l'heure. Voilà, ça c'est ici apparemment. En fait, ce qui est bête, c'est qu'ils ont mis les plumes de corbeau déjà sur la base et il y en a d'autres qu'on doit rajouter par après. Mais je trouve ça dommage parce qu'au final, pourquoi on nous a donné que deux à part alors qu'en vrai, il fallait juste faire pareil qu'avec le reste. Mais c'est pas grave. Et là, on va placer le Hinata. Je ne trouve pas où on met la dernière plume. Je ne sais pas où on met la dernière plume, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la statue de Hinata avec le petit oiseau qu'on peut placer juste à côté. Le petit oiseau Hinata. Alors, je vous le dis tout de suite, elle est incroyablement magnifique. Déjà, premièrement, parce qu'elle est super dynamique et c'est assez rare de voir des statues de cette taille-là avec un seul personnage de manière si dynamique. Ça change des poses qui servent à rien. Pour le prix que c'est en plus, c'est vraiment pas cher pour une pose si dynamique. C'est pas difficile à mettre en place. Franchement, tout s'emboîte super bien. J'ai eu aucune casse, donc je suis content. Le détail est fou sur le visage d'Hinata notamment. C'est vraiment le visage d'Hinata. Et je trouve vraiment que c'est super bien fait. Le logo qu'il y a dedans, en fait... Pouvoir mettre dans la même scène le personnage, quelque chose de dynamique,
avoir le logo du manga, donc c'est encore plus stylé. Avoir un petit cadeau ici qui est juste parfait, parce que vraiment, il est vraiment lourd et fait référence totalement au manga. Je trouve qu'on a quelque chose de magnifique. On a le nom du personnage en bas avec son numéro. Je rêve d'une statue pareille Kuroko no Basket. Plutôt que la merde, là, il n'y a pas longtemps, il y a une version qui est sortie avec Kuroko et Kagami qui était vraiment horrible. Ça, c'est une vraie statue, les gars. Une vraie statue de sport, c'est ça. Que je suis super content d'avoir commandé. Donc, premier arrivage, on est là-dessus. J'en ai une deuxième qui est arrivée là. Donc, il y a une vidéo qui arrive bientôt. Mais je suis super content. Il me reste juste cette petite plume de corbeau à placer que je ne trouve pas pour l'instant. Je verrai peut-être après sur le site en voyant un peu à quoi elle ressemblait en photo. Mais en tout cas, je suis... Oh, j'ai trouvé. C'est bon, on a tout placé. Voilà, je vais vous faire un magnifique plan après. It was perfect. Perfect. Franchement, elle est super belle. Je suis très, très, très content d'avoir commandé cette statue. Et pour moi, il y a tout dedans. Le nom du personnage, la pose, le personnage en lui-même, la fidélité de son visage, de son corps, le logo du manga. Il y a tout. Franchement, c'est une vraie tuerie. Et puis en vrai, je vais vous laisser avec des plans de la statue. Puisqu'elle est magnifique et on se retrouve très bientôt. J'espère que vous avez kiffé. Likez, commentez, partagez et à bientôt. Tchuss!